C'est grâce à Fénelon que la Kazakh Abeille brille ici sous le beau soleil de Lyon. Bravo monsieur, Charles-Henri de Moussac, bien sûr. Ça fait déjà plaisir de voir cette Kazakh gagner des belles courses. J'imagine que pour vous aussi, vous avez dû vibrer. Bah oui, c'est toujours fait beaucoup de plaisir de gagner des courses comme ça, des listed, parce que c'est le niveau est quand même très élevé. Entre gagner un Méden et gagner des courses Black Type, il y a une sacrée différence de niveau. Et puis c'est un cheval qui a eu un peu ses problèmes, donc on est très, très content de le retrouver à ce niveau-là. Et alors d'un point de vue d'éleveur, c'est la souche incroyable, c'est celle d'Aigmarine et j'en passe. Oui, c'est une vraie belle histoire cette famille aussi avec l'élevage de Moussac. Oui, c'est la mère d'Aigmarine a très bien produit. Aigmarine, c'est son deuxième produit, c'est un bon cheval. On a derrière une pouliche Siouni qui est à l'entraînement aussi chez Nicolas Clément. Et une belle pouliche de Le Havre, voilà. Donc, l'avenir est assuré. Tous les espoirs sont permis. Oui, parce qu'on voit que depuis la vente du haras du Mézeray, bien sûr, il y a toujours cette politique d'élevage, même avec des investissements sur des deux ans qui ne sont pas issus de chez vous. Est-ce que c'est une volonté un peu de resserrer sur de la qualité? Oui, tout à fait. C'est la volonté de faire moins, mais de la qualité. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir des chevaux pour les ventes du mois d'août à Deauville. Bon, on sait bien que l'élevage, il y a beaucoup d'aléas et que ce n'est pas toujours la même chose. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, la qualité, et pour les investissements qu'on consent, il faut absolument être dans cette gamme de prix. Donc, j'ai profité pour renouveler la jumenterie à l'avenir en achetant des yearlings, des pouliches de 2 ans. Pour ce fait de long, j'imagine qu'il va falloir parler avec Nicolas, mais un petit tour à Deauville peut-être pour réessayer le Grand Prix. Voilà, ça peut être une possibilité. Il a le prix de Reux, il a le prix le Grand Prix de Deauville, mais je suis très très content qu'il s'impose une nouvelle fois à Lyon. C'est son hippodrome fétiche, c'est bien. De bons problèmes à évaluer d'ici là, merci.